Sujet nombre SCP-27. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. L'hôte de SCP-27 actuellement le sujet 027A02 doit être conservé dans une cellule de confinement de 5x5m avec une grille et un plancher connecté à un système d'aspiration forte. Toutes les créatures retirées de la cellule de confinement du sujet doivent être incinérées sauf quelques-unes pour analyse. La cellule doit être nettoyée et inspectée quotidiennement à la recherche de dommages structuraux. Le sujet 027A02 doit être surveillé par au moins 2 membres du personnel en permanence. Tout comportement inhabituel du sujet, de ses signes vitaux ou de l'apparence de toutes les espèces inhabituelles dans les environs du sujet doit être immédiatement signalé à un membre du personnel de niveau 4. Le personnel de sécurité affecté à SCP-27 doit être vacciné contre toutes les maladies pathogènes liées aux animaux connus et doivent être armés de fusils tranquillisants et d'ordre permanent pour maîtriser le sujet si le besoin s'en fait sentir. Jusqu'à ce que SCP-27 soit mieux compris, aucun membre du personnel de niveau 4 ou plus ne doit s'approcher à moins de 200 m du sujet. Description : SCP-27 semble être un phénomène de source inconnue qui semble être lié à un sujet humain actuellement 027A02 pendant un moment. En tant qu'hôte de SCP-27, le sujet 027A02 est constamment entouré par un grouillement de vermine qui est attiré par lui. Le sujet ne semble pas en mesure d'exercer un contrôle sur ces créatures d'aucune manière que ce soit et est en fait sujet à des attaques occasionnelles de la part de ces spécimens sauvages. Ces créatures attaquent également le personnel qui les approche de trop près. Partout où va le sujet, un essaim d'insectes volants tels que des moucherons et des mouches commence à former un nuage autour de lui, généralement dans les 2 à 3 minutes. Peu de temps après, des animaux rampants, y compris des poux, des cafards, des vers, des araignées, données supprimées, des souris et des rats commencent à apparaître. Plus le sujet reste dans un endroit, plus la vermine s'y rassemble. Lorsque le sujet quitte un lieu, certaines de ces créatures le suivent, mais la plupart SCP-27 s'est transféré d'un hôte à un autre. À la mort du premier hôte connu, le sujet 027A01, voir l'annexe 1 pour plus d'informations, SCP-27 pourrait probablement répéter ce transfert à la mort du sujet 027A02. L'ensemble du personnel important doit être maintenu loin de l'hôte actuel jusqu'à ce que SCP-27 soit compris plus en détail. SCP-27 a pu se transférer d'un hôte à un autre un nombre inconnu de fois avant son confinement. La recherche sur les hôtes potentiels précédents a commencé, avec des preuves préliminaires suggérant que SCP-27 peut avoir existé pendant au moins 1 an. Le mécanisme par lequel SCP-27 choisit ou attire les animaux est encore inconnu, et même sa nature reste floue. L'hôte précédent n'a jamais eu de communication d'aucune sorte avec une autre entité consciente et l'analyse de l'hôte actuel n'a pas été concluante. Annexe 1, chronologie des événements importants. 0499, le sujet 027A01 est découvert dans un entrepôt abandonné en dehors de, qui avait été complètement envahi par les rats, les cafards et autres vermines, et est confiné et catalogué en tant que SCP-27. Le sujet est décrit comme un homme de race blanche dans la trentaine, de taille moyenne, mais maigre, sale, et recouvert de morsures et d'égratignures. Le sujet montre également les symptômes de dégradation de la santé mentale, d'utilisation excessive d'alcool et de drogues illicites et des signes de privation prolongée de sommeil. Dit 200, le sujet meurt. L'autopsie montre que plus de 70% du corps du sujet donné supprimé une colonie de raniches dans l'abdomen du sujet depuis au moins génération. Dit 200, entre 140 et 150 heures après la mort du sujet, l'agent de sécurité KF rapporte avoir été réveillé par des problèmes respiratoires dus à une grande mouche venue se loger dans son nez. Il est démontré par la suite qu'elle y a déposé des œufs. Des observations ultérieures ont conduit à la catégorisation de l'agent F comme étant le sujet 027A02. L'hôte d'origine est reclassé en tant que sujet 027A01 et SCP-27 est redéfini. Données supprimées. Annexe 2, transcription de l'entrevue 27A201. L'interview qui suit a été réalisée le dit 200, peu de temps après que le sujet 027A02 ait été identifié et transféré à la cellule de confinement qui avait abrité le sujet 027A01. Dr Jameson, bonjour, agent F, comment vous sentez-vous? Sujet 027A02, apeuré. Confus. La plupart du temps j'ai peur. J, c'est compréhensible.
S et j'ai des démangeaisons. Je me sens comme si j'avais besoin de prendre une douche pendant tout le foutu temps que je passe ici. J.A. Mais qu'en est-il de eux de l'intérieur? Vous sentez quelque chose de différent à l'intérieur de vous, comme une présence. S. pense et se gratte la tête. Non, je ne pense pas. Je n'ai rien remarqué qui ressemble à une présence. J. Vous n'avez pas senti quelque chose de différent depuis que l'hôte d'origine est décédé, outre les démangeaisons? S. Non, je n'ai rien senti. J. Ou une sorte de voix, des compulsions. S. Agité. Non, je n'ai rien senti, sauf des punaises partout sur moi. Je me sens sale, et j'ai peur, et donc, qu'en est-il de ma famille? Vous devez faire sortir cette chose de moi afin que je puisse les voir à nouveau. J. De bien sûr. Nous allons faire tout notre possible pour extraire SCP-27 de votre corps. Mon Dieu, je suis désolé, que... Remarque, peu de temps après que cette entrevue ait eu lieu, le docteur Jameson et plusieurs autres membres de l'équipe de recherche pour SCP-27 ont été transférés à d'autres...